Aujourd'hui, je vous propose de me suivre au salon Maison et Objets pour découvrir mes coups de cœur et surtout les tendances qui rythmeront notre année déco en 2016. Ce qui est bien avec Maison et Objets, c'est qu'on peut aussi trouver des inspirations déco. Et là, clairement, on est dans un esprit outdoor. On a sorti deux portants, on a fait du upcycling et on a une super ambiance lumineuse. J'adore. Ça, c'est mon coin bureau idéal. C'est vraiment deux objets différents et après, tu les poses les uns sur les autres comme ça. Et du coup, ça te fait un bureau avec plusieurs rangements. La modularité dans toute sa splendeur. Génial. À Maison et Objets, vous avez aussi un coin réservé aux kids et c'est ici que vous allez trouver les tendances de vos chambres d'enfants. On va avoir des choses très simples et après quelque chose de très travaillé et toujours en bimatière. Puis on a des couleurs très tendances, des couleurs douces, des couleurs pastel. Et le mélange avec le bois, comme ça, c'est tout ce que j'aime. Voilà, on est dans du détournement d'objets. On a pris un skate, on a mis des pieds, on a un super banc. Quand je dis ça, ça a l'air facile, mais à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Des patères roulettes, des patères guidons. C'est un truc énorme, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais gamin. Regardez, là, on a un petit côté bohème, petit côté artisanal, made in France, j'adore, je me permets. Oh, on peut lui faire un câlin, moi aussi, ça a l'air trop bien. Génial. Maison et Objets, c'est des objets du quotidien, mais aussi des objets design, où des expériences peuvent être faites avec la matière. Ici, notamment avec le cristal, c'est la Boxing Box de Philip Stark. On va découvrir plusieurs collaborations. Il y a aussi le miroir des frères Bouroulec, qui est assez énigmatique. Mais alors, mon coup de cœur, c'est pour la collection Chimère de Patricia Urquiola. Donc là, en fait, on a des tables basses, une console, des miroirs. Et en fait, selon comment vous vous positionnez, ça change de couleur. En fait, c'est deux plaques de cristal. On a mis un film pixelisé. Et du coup, on a vraiment quelque chose d'assez magique. Donc là, on est chez un éditeur français. C'est des ébénistes. Et en fait, tous leurs mobs sont modulables, fonctionnels et en plus super design. Oh, c'est pas mal. Quelle heure il est? Hop. Alors ça, c'est vraiment un objet que j'adore. Ça paye pas de mine comme ça. Mais en fait, ce ne sont pas des vases, c'est des services d'assiettes. Si ça, c'est pas un objet original, design, déco et fonctionnel en plus. Et alors, ça s'appelle comment? Yuan. 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 C'est ça? C'est ça. Alors, je sais pas vous, mais moi j'en ai pris plein les yeux et c'est vraiment ce que j'adore au salon Maison et Objets. On a découvert des nouveaux mobiliers fonctionnels, des objets déco et design. Et en plus, on a trouvé l'inspiration. Alors, par contre, moi j'en ai plein les pattes, donc là je vais aller me coucher.